Dans l'actu aujourd'hui, la suite des échauffourées dans le quartier du Bois de l'Étang à La Verrière entre des habitants et les forces de police. 7 personnes ont été blessées ce samedi, dont une enfant de 18 mois. Les résidents veulent créer un collectif. Parce que des échanges naissent la compréhension, des ateliers intergénérationnels sont proposés entre personnes âgées et collégiens. Ils ont travaillé ensemble autour de textes. Ce travail sur un semestre a donné lieu à une restitution à la Maison de la Poésie à Guyancourt. La Revancharde 14e édition, c'était ce dimanche depuis la colline d'Elancourt. 140 participants étaient inscrits. La course VTT permettait de collecter des fonds au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de Paris. Et puis, la fête de la musique à la batterie de Guyancourt ce samedi. Une fête placée sous le signe du rock. Une petite fille et 5 policiers blessés samedi dernier à La Verrière, résultat selon différentes sources d'un affrontement entre jeunes et policiers. D'après les habitants du quartier rencontrés lundi matin, les forces de l'ordre auraient fait irruption dans un parc du quartier du Bois de l'Étang pour interpeller de façon musclée un jeune homme. La situation aurait rapidement dégénéré, conséquence toujours selon les habitants d'une succession d'abus de longue date de la part de certains policiers. À l'issue de la rixe, 7 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue au commissariat de Guyancourt. Du côté des pouvoirs publics, Alain Ajage, maire récemment élu, affirme en substance que l'intervention policière était disproportionnée au regard de la situation. Il compte sur la justice pour faire la lumière sur toute cette affaire afin de trouver des solutions pour apaiser les tensions. Le préfet a pris la décision de saisir la commission départementale de déontologie, qui est une commission indépendante, qui va permettre d'avoir un avis sur la manière dont les événements sont déclenchés. Il y a une enquête de l'IPGN qui va être déclenchée aussi, donc c'est aussi un élément important pour savoir. Et puis enfin, il y a la justice évidemment qui est saisie, d'abord sur les personnes qui ont été interpellées, puis après sur les éventuelles suites relatives aux 2 autres enquêtes que j'ai évoquées. Lassés par ces rapports conflictuels avec la police, des résidents ont décidé de s'organiser en collectif et de faire appel à un avocat. Objectif, mener l'affaire en justice pour faire entendre leur version de l'événement. Émilie, ta gueule! Ma sœur qui parle, mon frère qui la tape et ma mère qui crie. Marc, la ferme! Émilie, calme-toi! Lucienne a 87 ans, elle parle comme les jeunes, normal. J'avais 14 ans et je n'avais pas le choix de faire des études. Je devais travailler. Je faisais les vendanges en Loire-Atlantique. Thomas a 14 ans et il raconte une histoire d'antan encore normale. Lucienne, Thomas, mais également Jacqueline, Huguette ou Delphine ont participé ensemble à un atelier d'expression et d'écriture. Ça te permettre à des gens qui sont un peu à qui on tend jamais le micro, les jeunes, la marmaille, les vieux. Non mais donc cette année, non seulement on a eu envie de leur dire encore plus cette année, car on était en année présidentielle, d'en leur dire mais qu'est-ce que vous avez à dire citoyens cette année, hein, dites-nous un peu comment vous marchez. Cet atelier intergénérationnel s'est déroulé sur un semestre et les personnes âgées ont pu échanger avec des élèves du collège Champollion de Voisins-le-Bretonneux. Ce travail a donné lieu à une restitution à la Maison de la Poésie de Guyancourt. Premièrement, ça nous fait sortir de chez nous. On passe un après-midi agréable. Les gens qui nous entourent sont parfaits. Regardez, nous sommes arrivés tout à l'heure. Les collégiens qui sont là déjà sont tous venus nous accueillir. Ça me remet un peu dans l'ambiance de l'époque, parce que je suis seule, donc ma famille est quand même assez loin et j'ai plus de contact avec les jeunes. Alors là, ça rajeunit un peu. Et puis leur conversation, les mots qu'ils emploient. Ça vous étonne pas un peu les mots qu'ils emploient ? Il y a des fois, il y a un peu des fois, mais... Bon, dans l'ensemble, j'écoute quand même beaucoup la radio, la télé. Alors on arrive à être au courant de ce qui se passe. Ils parlent bien, ils ont conscience de beaucoup de choses. Moi, je les ai trouvés formidables. Les voitures dans la rue. Bonne journée, à ce soir. Bisous. Bonjour, tu es venu trop tôt. Je veux un bisou et un câlin. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a aidé à être moins timide et... Et je trouvais ça bien la rencontre entre les deux âges. Je suis un peu moins timide et puis c'est bien parce qu'on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes opinions. C'est facile de se confronter avec des idées différentes ? Bah, des fois oui, des fois non. Tu trouves ça enrichissant ou pas ? Parce qu'on n'a pas vécu la même époque alors ça change.
Ces ateliers intergénérationnels ont été mis en place pour la troisième année consécutive. Cette année, des aidants de l'association Veilleurs en Voisin ont également participé. La manifestation s'implante doucement sur le territoire. Merci. 14e édition de la Revancharde sur la colline d'Elancourt, c'était ce dimanche, la deuxième manche du Challenge Vélo Tout-Terrain Tour 2012 au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de France. 140 participants se sont élancés sur un tout nouveau circuit. On est sur vraiment une épreuve maintenant très très technique, beaucoup plus qu'avant. Et on a privilégié un peu le spectacle pour les familles. À chaque tour, chaque concurrent monte trois fois en haut de la colline, ce qui provoque des meilleures sensations pour les concurrents et une meilleure visibilité pour les familles. Quoi. Une boucle de 11 km que les VTTistes ont parcouru trois fois. Des côtes raides, des descentes à pic, un beau parcours en perspective. J'ai jamais fait de course de cross-country, donc je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Quoi. Il y a une côte qu'il faudra faire à pied sans doute, voilà. Une côte qui est très raide que j'ai vue avant, donc ouais, psychologiquement je me suis apprêté à marcher. Ouais. C'est un entraînement et puis c'est pour avoir une course, pour s'entraîner au départ et à l'endurance. J'ai pas beaucoup préparé à cause du bac, mais on verra bien. Et c'est tout vu pour Camille Galato qui s'est imposée chez les femmes. Chez les seniors, c'est Cédric Chartier, 4 fois vainqueur de l'épreuve. 3000 euros ont ainsi été récoltés pour les orphelins des sapeurs-pompiers. L'équipe de France de cricket était à Thoiry ce week-end pour un match de gala exceptionnel contre le Marylebone Cricket Club, l'instance bicentenaire qui régit la discipline puisqu'elle détient les droits de changer ses règles. Une occasion à ne surtout pas manquer pour les internationaux. On a deux joueurs qui sont en congé sans solde, comme c'est amateur, ils ont pris des congés en plus. On les a joués les derniers matchs en 2005 où ça avait été 1-1, donc là c'est, ils viennent pour la revanche. Donc à nous de montrer qu'on ne perdra pas sur nos terres. Une histoire particulière entoure cette rencontre, le cricket n'ayant été qu'une seule fois inscrit aux Jeux Olympiques, ceux de Paris en 1900. Elle opposait alors deux équipes, l'Angleterre et la France. Ce match s'inscrit dans une commémoration des Jeux Olympiques de Paris de 1900. Jeux Olympiques de Paris de 1900, le cricket était sport olympique. C'est donc une célébration de ce match au cours duquel l'Angleterre avait battu la France. Et donc la France est aujourd'hui encore détentrice d'une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en cricket. Revanchard, les Anglais avaient à cœur de défier les Français. Le niveau n'est pas le même, mais ils restaient méfiants vis-à-vis des internationaux. Ils commencent à devenir bons. Le cricket n'est pas présent depuis longtemps ici, mais ça se développe doucement et ce qu'on a pu voir jusque-là, leur préparation et leur entraînement en tenue officielle, ils seront difficiles à jouer. Des enfants ont pu s'essayer à ce sport britannique, les règles n'étant pas toujours simples et la discipline étant peu connue en France, il s'agissait avant tout de réussir les bases. Quand on attrapait les balles, chaque fois que les balles elles allaient vers le haut, j'arrivais à les attraper et tout le monde me disait que c'était bien. Des supporters ravis qui ont fait signer des autographes, mais malheureusement, les Français se sont inclinés. Ambiance jazz, ambiance groovy, ambiance funky ce soir à la batterie. Alors c'est pas mal en guise d'introduction, mais moi je vous propose de passer tout de suite à quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'est justement le thème qu'avait choisi Jean-Pierre Pia et son équipe pour fêter la musique, pour faire leur fête de la musique en décalé. Alors pourquoi le choix de ce thème? C'est la question que nous lui avons posée. C'est parti. Simplement parce que nos groupes qui répètent ici dans nos studios sont majoritairement des groupes pop-rock, donc à près de 80%, donc évidemment ça se ressent sur les plateaux que l'on propose ce soir. Il y a un petit peu de tout, beaucoup de classique rock, un peu de pop-rock aussi, ça dépend aussi des générations, il faut dire qu'on touche vraiment aussi dans nos studios toutes sortes de générations. Le rock c'est maintenant très ancien, voilà, la pop fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Autant de styles que d'interprètes, et quand on demande aux spectateurs si le rock leur évoque quelque chose, chacun y va de sa référence. Hendrix, Led Zepp, plutôt dans les années 60-70, hein, le rock. De la musique qui bouge. De la musique avec beaucoup d'instruments, la guitare électrique. C'est
Metallica, Volbeat, les Beatles, un peu de tout, Rolling Stones aussi, voilà. Pour moi, parce que je ne suis pas un adepte particulièrement de cette musique, c'est plutôt une époque, les années 70, la grande liberté, les barrières qu'on fait tomber et tout ça, ouais. Bon, je pense que ça a le mérite d'être clair. En tout cas, quel que soit le style, l'origine ou l'interprète, les spectateurs présents samedi soir à la batterie ont eu l'occasion de s'en mettre plein les oreilles. Écoutez!